Good morning. Allez, Yidan et Nesus, aujourd'hui le Nishmat, Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batrana, Rachel Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, Maurice Moshe ben Sultana, Moshe Michael ben Machlouf ve Aline Bachar Rachel. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah à contacter la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechat Menachot par Ekud Gimel Mishnah Tet. Shor ze Ola venista Ev. Imratza Yavi Bedama Vishnaim. שני שברים אלו עולה ונסתאבו, אם רצה יביא בדמיהן אחד, רבי אוסר. איל זה עולה ונסתאב, אם רצה יביא בדמיו כבש, כבש זה עולה ונסתאב, אם רצה יביא בדמיו איל, רבי אוסר. האומר אחד מכבשי הקדש ואחד משברי הקדש, היו לו שניים הגדול שבהן הקדש, שלושה הבינוני שבהן הקדש. פירשתי ואינו יודע מה פירשתי, או שאמר, אמר לי אבא ואני יודע, הגדול שבהן הקדש. Dans la Mishnah précédente, on avait commencé à évoquer un sujet de celui qui fait le vœu d'apporter une grande ola. Et finalement, au moment de Pesach, il a préféré apporter deux petits moyens qui coûtent même ensemble, qui coûtent plus cher qu'un grand. Et on avait appris qu'on ne s'acquitte pas du devoir de la sorte, étant donné que tu as fait un engagement d'apporter un grand, tu dois apporter un grand. Et un petit ne fera jamais l'affaire, même si tu apportes 50 petits, même 50 petits qui t'avaient fait un don d'apporter par exemple un taureau qui avait une valeur de 100, et tu as apporté 50 petits qui ont une valeur de 90, ça ne fera pas l'affaire. D'accord? Ton vœu, c'est de faire un grand, tu dois t'acquitter de ton vœu. Maintenant, en réciproque, on va voir maintenant un autre cas de figure. Vous vous rappelez qu'il y a les Nedarim et les Nedavot. Nedarim, c'est que je fais sur moi un vœu d'apporter. Je m'engage, moi, personnellement, à apporter une chose. Tandis qu'une Nedava, c'est faire un don. C'est-à-dire que je dis que cette chose-là, je la donne. Et si cette chose-là, elle n'est plus là, je ne suis pas engagé à apporter une autre à la place. Et c'est en cela que ça va faire toute la différence avec notre Mishnah. On commence avec la première halakha. Shor ze Ola. Il y avait un grand taureau devant lui. Il a dit... Ce taureau-là, je vais le faire en hola. Donc il n'a pas fait un vœu, il a dit qu'il allait faire un don de ce taureau. Ce qui se passait, c'est que Venista Eve, ce taureau a eu un moum, un défaut. Du coup, on ne peut plus le monter en corban. Or, la halakha, elle est à chaque fois que lorsque tu ne peux plus faire un corban, qui était censé être un corban pour une hola, et Shlamim, c'est le même principe, que tu ne peux plus les faire en corban parce qu'ils ont eu un défaut, une patte cassée. Un défaut, comme on apprendra dans ma Masechet Brachot essentiellement, eh bien dans ce cas-là, tu devras racheter le taureau par de l'argent, et cet argent allait acheter un corban. D'accord? Donc tu avais un beau taureau, il a eu même la lèvre fissurée, l'oreille fissurée, un défaut, eh bien à présent, on va pouvoir le racheter, on va transférer la Gdoucha en fait, qui est sur son corps, sur de l'argent, et avec cet argent, on va partir acheter des taureaux. Et la question de notre Mishnah est de savoir, est-ce que j'ai le droit de partir acheter deux taureaux, deux taureaux plus petits par exemple. Et on va voir en fait, première partie de la Mishnah, ça va être sur ça, deuxième partie, ça va être au lieu d'avoir un taureau, on va avoir au début un bouc, qui et ensuite, il va préférer aller acheter deux moutons, ou peu importe, un mouton, et deux moutons, il va racheter un bouc, l'adulte, quoi. D'accord? Alors maintenant, on a la Mishnah, l'agneau, plutôt la famille des boucs, c'est les agneaux. C'est pas grave, on s'est compris. Le bélier, ici déjà. Shor Zeola, donc je recommence la Mishnah. Shor Zeola, ce taureau-là, je vais le faire en Ola, en Korban Ola, Venista Ev. Et il a eu un défaut. Eh bien, Imratza Yavi Bedamav Shnaim. S'il veut, il pourra même apporter, avec la valeur de ce taureau, même deux. À la différence de la Mishnah précédente. Tu ne t'es pas engagé personnellement à porter un taureau. Tu as engagé que tu allais faire un don de ce taureau. Or, ce taureau-là, il a eu un problème. Eh bien, maintenant, c'est sa valeur. Avec sa valeur, tu feras ce que tu veux. Idem aussi, s'il avait Shnei Shvarim et l'Ola, il avait deux petits taureaux, Ola. Venista Avu, et ils ont eu des défauts. Imratza, Yavi Bedmehe, Mechal, s'il veut, il pourra maintenant réunir la valeur de ces deux taureaux, deux petits taureaux, pour aller acheter un très grand taureau, s'il veut. Il pourra en apporter un seul. Parce que cette fois-ci, comme on a dit, tu ne t'es pas engagé personnellement à apporter un taureau, mais tu t'es engagé à apporter cette chose-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle Nedarim et Nedavot. Nedarim, c'est je m'engage
Nidavot, c'est je fais don de cette chose-là. Rabbi Yosser, et bien malgré tout, Rabbi il interdit, parce que Rabbi il a dit, il faut a priori garder ce qu'il y avait initialement. Il y avait un taureau, tu apportes aussi un taureau de valeur équivalente. Il y avait deux taureaux, tu apportes deux taureaux de valeur équivalente. D'accord ? Maintenant, Barthénor précise que Rabbi, il a interdit que, a priori, mais a posteriori, tu t'es quand même acquitté du devoir. Ensuite, Aïl Zéola, même principe comme ce qu'on a dit avec le bélier. Pas le bouc, mais le bélier. Aïl, c'est le mouton adulte. Un bouc, Aïl Zéola, il a fait le bélier, il a fait le don d'un bélier, qui sera Ola. Venistaev, et ce bélier, il a eu un défaut. Imratza, il y avait Benamav, s'il veut, il pourra porter avec sa valeur un keves, un mouton. D'accord ? Keves, keves de Ola, Venistaev, idem, s'il avait un mouton, qu'il avait dit qu'il allait apporter en Ola, Venistaev, il a eu un défaut, eh bien, Imratza, il y avait Benamav, s'il veut, il pourra porter avec sa valeur aussi un bélier, s'il trouve la valeur équivalente. Même si c'est apparemment une autre espèce, ou dans les deux sens, ouais, comme on avait vu, Marloquette, est-ce que le plus adulte, il inclut aussi l'enfant ou pas? Mais sur l'enfant, il inclut, c'est sûr qu'il n'inclut pas adulte, et bien malgré tout, là, il pourra la porter s'il veut dans les deux sens. Rabbi Yosser et Rabbi, il interdit a priori. De nouveau, a posteriori, s'il a porté un corban de la sorte, il se sera quitté de son devoir. A Omer, et Chad, maintenant, on parle d'un autre sujet à présent. A Omer, Echad mikvasai hegdesh, echad mishvarai hegdesh. Quelqu'un qui dit que un de mes moutons sera hegdesh. Il a fait un don. Il avait son troupeau de moutons. On va voir combien il en avait dans le troupeau. Bémet. Pour le moment, il avait plusieurs moutons. Il a dit j'en donne un au hegdesh. Echad mishvarai hegdesh. Ou encore un de mes taureaux sera hegdesh. Hayoloshnaim. S'il avait juste deux animaux, alors à votre avis, lequel il a donné au hegdesh? Le meilleur ou le moins bien? Eh bien, le Mishnah m'enseigne, Agadol Shebaïn Egdesh, le plus grand des deux, il sera Egdesh. C'est une grande règle qu'un homme qui fait un don au Beth Amikdash, s'il ne précise pas, c'est sûr, son intention elle est d'apporter le meilleur, le plus beau. D'accord ? Donc, s'il n'en avait que deux, pour le moment, il devrait apporter le plus beau des deux. S'il avait Shlosha, s'il avait trois moutons, Abenoni Shebaïn Egdesh, le moyen des trois, il devra être Egdesh, comme ça c'est rapporté apparemment dans le Mishnah qu'il faudra apporter celui du milieu. En réalité, le Barthénois nous rapporte quand il devra apporter plus. C'est sûr qu'il a l'intention de faire quelque chose de bien. Maintenant, on a une petite question. Est-ce que c'est le bien ultime ou c'est le bien mieux que le moins bien? C'est-à-dire, est-ce que c'est le long Barthénois que vous voyez sur le Abedoni Shemaïn Egdesh, il explique ça. Une chose de sûre, c'est que quand tu fais un Egdesh et que tu ne précises pas ton intention, c'est sûr que tu avais l'intention de porter quelque chose de très bien. Maintenant, pas quelque chose de médiocre. Alors, tant que tu n'en as que deux, très bien, c'est forcément le très bien et pas le médiocre. Mais tant que mais si tu en as trois, quelle était ton intention? D'apporter le meilleur ou d'apporter, ne pas te contenter d'apporter le moins bien? Donc, un peu au-dessus du moins bien. Ouais. C'est-à-dire, psychologiquement, un bon juif, quand il reçoit un papier de Tzedaka et on lui dit « Fais ton don, donne, tu peux donner 18, tu peux donner 26, tu peux donner 32 », eh bien, à coup sûr, il va pas, il aura du mal à donner le 18. Eh, c'est trop peu. Il veut donner le... Par rapport à ses échecalibres. Enfin bref. Bon d'accord, c'est le, naturellement, c'est sûr qu'il ne va pas donner le moins bien, il va toujours vouloir donner un petit peu plus, il va vouloir couper son itzara. Il va vouloir forcer un petit peu son itzara. La question c'est combien il va donner? Un peu plus que le moins, hein, ou le top? Alors c'est sur ça qu'on a deux éventualités. On a un doute. Et dans le doute, Bémet, il s'est bloqué, parce que ces deux moutons qu'il avait, ces deux moutons, donc, on va les classer, il y avait un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc une chose sûre, c'est qu'il n'a pas donné le niveau 2, le niveau 3, mais la question c'est qu'il a donné le niveau 2, le niveau 1. Ouais, il y avait le top, il y avait le moyen et il y avait le médiocre. Alors on ne sait plus lequel il a donné, donc dans ce cas-là, les deux sont kadosh dans le doute. Le 1 et le 2, ils sont kadosh dans le doute. Et on attendra qu'un des deux ait un défaut, et il le rachètera. Je vais vous expliquer après, mais d'abord je préfère me référer à la Mishnah d'abord, et après je reviendrai sur ce détail-là, c'est la deuxième partie du long Barthénois. Donc, je reprends dans les mots. Ah, Omer, Echad Mikvasai Egdesh, celui qui fait le don de un de ses moutons au Egdesh. Echad Mishvarai Egdesh, un de mes taureaux sera au Egdesh. Ayoloshnaim, s'il avait que deux, Agdol Shebaen Egdesh, le grand de parmi les deux sera le Egdesh. Shlosha, s'il en avait trois, Abenoni Shebaen Egdesh, ce sera le moyen qui sera Egdesh.
C'est-à-dire, le partenaire nous dit Afa Benoni Sheben, même le moyen Israël Gdesh, parce qu'on ne sait pas quelle était son intention, donner un peu mieux que le médiocre ou donner le top. D'accord? De là, je déduis entre parenthèses aussi une alakha importante. Si on avait 10, je pense, je ne l'ai pas vu écrit, mais je pense qu'on dira la même chose qu'on n'a que deux Gdesh. Le tip-top, le meilleur, et celui qui est au-dessus, apparemment, je ne sais pas, celui qui est au-dessus du. Et le, donc le numéro 1 et le numéro 9. Parce qu'on aura le même doute. Je ne pense pas qu'on a un doute sur chacun, est-ce que c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ou 9. Excusez-moi, je me retiens de bailler, mais des fois ça se voit. En tout cas, c'est-à-dire, si mon satek il est, est-ce que tu penses au bien ultime, au bien un peu mieux que le médiocre? Donc apparemment, quand on a 5, alors on aura le même doute, est-ce que c'est le meilleur ou c'est celui de l'avant-dernier? Je pense pas qu'on aura un doute sur chacun, parce que pourquoi est-ce que tu veux penser au troisième, au quatrième? Soit tu veux donner top, soit tu veux donner... un peu mieux que le moins bien, d'accord? C'est le doute que... Je pense que s'il en a 10, qu'il en a, il n'y en aura que 2 qui seront Kadosh Misafek, je suppose. En tout cas, la Mishnah continue avec un autre show, avec Perashti, Venyodama Perashti. Maintenant, il nous dit, j'avais explicité, au moment où j'ai fait le don, j'ai explicité que j'allais donner tel ou un tel. Mais je ne me souviens plus lequel j'avais dit. Parce que j'avais dit que j'allais donner numéro 2, numéro 1, ou s'il en avait 10, numéro 1, numéro 8, 7, je ne me souviens plus. Oshé Amar, ou encore, il nous raconte que Amar Liaba, il avait son père qui était sur son lit de mort, agonisant, et il a dit qu'il veut faire un don d'un de ses moutons. Il a précisé lequel? Venyode Amar, je ne me souviens plus duquel il a dit. Alors dans le doute, on dira que Agadol Shebaen Egdesh, on dira que le plus grand sera celui qui est le Egdesh, parce qu'en fait, le partenaire explique qu'on n'a aucun doute, qu'à partir du moment où on précise, c'est sûr qu'il a précisé qu'il voudrait donner le meilleur. Tout notre safek, il était sur, tant qu'il n'a pas précisé. Alors là, il faut qu'on joue sur son intention. Mais si il a précisé, on suppose qu'il a dit qu'il voulait le donner le meilleur. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a le doute, alors je reviens maintenant sur la deuxième partie, comment concrètement procéder. C'est-à-dire, j'avais trois moutons. Un niveau 1, tip-top, un moyen et un bidon. Alors maintenant, c'est sûr que je n'ai pas fait cadeau du médiocre. Donc j'ai fait cadeau soit du 1, soit du 2. Qu'est-ce qu'on fait dans le doute? Alors dans le doute, eh bien, on va attendre qu'il y en ait un des deux qui va avoir un défaut, par exemple, qui va avoir même la lèvre se fait fissurer, ça suffit. Il y a des halakhot, d'accord, il y a des halakhot, comment considérer qu'il y a un boum. En tout cas, dès qu'il va avoir un défaut, alors maintenant, on sera tiré d'affaire. On fera comme ça, on dira, écoute, donc j'ai le 1 et le 2 devant moi, et par exemple, on a eu le 2 qui a eu un défaut. Alors on va dire, ben écoute, de deux choses l'une. Soit le 1, il est kadosh, eh bien, qui reste kadosh, il n'y a aucun problème, le 2, j'ai le droit de le manger. Si, au cas où c'était en fait le 2 qui était kadosh, maintenant il a un défaut, je ne peux plus le porter en corban, eh bien, je vais racheter sa kdusha, sa sainteté, je la transfère sur le 1, comme ça, le 1, je la mets en corban, et le 2, je vais pouvoir le manger. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la sarakolto, salar.